Bienvenue tout le monde, moi content de l'autre fois entrer dans Kaila. C'est toujours un véritable plaisir continuer à servir sous plateau. Ce Fait TV 83, nous toujours présents sous toutes nouvelles qui passent en Haïti et quel que soit côté lié dans le monde. Direction générale de la police nationale, la part le biais de Jean-Nommé Rameau, semblait prendre au sérieux problème et sécurité. C'est pour ça qu'il fait que sont organisés une grosse réunion pour passer instruction à tout chef en dans instruction la police là sous qui gens à façon yo pral attaquer bandi qui est spécialisé dans kidnapping détourner marchandise moun et puis ne cap fait sans couler en dans pays a tout cadre en dans PNH là déjà tombé d'accord sous gros disposition chef la prend et bien nouvelle la tombé tout bandi mettre marron ou bien changer métier Normil Rameau pap jouer fois ça nous songer la mort papal moun examen ou bien moun yo pas trivé identifié té lagué papal yon puis en pile moun déjà dit ça pral porter résultat parce que déjà pral venger la mort papal en côté comment ça y est sous gros réseau disposition la police déjà prend pour marcher maré tout bandi et bien bagay yo changé tout nèg maintenant marron Normil pap jouer la police pral déployer. Sofia TV 83 n'a continué informer et puis continuer suivre différentes opérations la police pral gen pour prendre dans cadre opération sa yo qui lancé. Zami fanatique rete avec nous n'a porté tout détail pour vous sur ça qu'a fait dans Jokab Viniola. Bienvenue tout le monde, moi content yon l'autre fois rentrer dans Kaila. C'est un véritable plaisir de continuer à servir sous plateau. Sofia TV 83, nous présents pour kembe ou informer sur toute nouvelle Haïti et reste monde. Direction générale la police nationale d'Haïti, par le biais de Jean-Normil Rameau, prend au sérieux problème insécurité. Direction générale police nationale là par le biais de Jean-Normil Rameau semble prendre au sérieux problème insécurité là c'est pour dire li fait que sont organisés une grosse réunion pour passer instruction à tout chef qui nan corps la police là sous qui gens ak formule yo pral attaquer bandi qui est spécialisé yo dans kidnapping ak touye moun prend l'argent moun et fait brigandage en dans pays là. Tout cadre en dans PNH déjà paraît, eh bien, disposition prend, nouvelle à tomber, tout bandit met marron, ou bien chercher un autre métier, Normil Rameau, frappe pied à terre, bagaille changé. Nous prenons le songer comment bandit a examen, ou bien moun yon pas trivé identifié, tout yé, papa DG Normil Rameau, c'est pour ça, vitesse à vin, pi augmenté, gen moun qui dit, bagaille la pral changé, si toutefois, gros disposition ça ou déjà prend, pour matraquer tout bandit. On a écouté comment ça y est sous gros disposition la police apprend pour marcher malgré tout bandit en dans pays. Sofia TV 83 nous présent zami fanatique entend des nouvelles là qui ça DGPNH déjà metté en place ou bien tout mécanisme yo déjà gagné en main yo pour marrer kidnapper voler assassin moun kap trouble la paix publique. Nous c'est réseau information hein, restez connectés ensemble avec nous, on va continuer informer sur toute nouvelle Haïti ak res monde. Commandant en chef, bravo monsieur, bravo monsieur Bakop Miragwan. Vous dites monsieur Idmo bien Simon? Idmo. Le commandant en chef la police nationale pays d'Haïti a Normil Rameau. Nous rencontre mis sous front hier soir avec gros responsable zone métropolitaine nan, sous question zafè kidnapping nan. Dans soirée mercredi 14 nan, hier soir, commandant en chef police nan, Rameau Normil, t'a présidé une réunion garçon vraiment stratégique. Et t'a veillé pour pas gagner fuite dans réunion ça parce que grand pile bagaille qui dit, il va partager avec nous et nous connaît tout, nous va partager avec vous pour pas déranger rien. Sous climat insécurité hein, qui sorti là pour tailler banda dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Inspecteur général en chef là, Hervé Julien, directeur central police administrative là, inspecteur général Besson Soljou, yo tout te assisté à réunion ça beaucoup de plusieurs l'autre gros commandant unité spécialisée dans la police nationale là avec responsable juridiction police dans la région métropolitaine là. Avec yon ton ferme, mine sous fond, m'dou,
directeur général, Ramon Normil, lui exhorter monsieur pour yon chercher toute stratégie possible, imaginable, pour yon appliquer des nouvelles dispositions avec stratégie ça yo, en façon pour yon capable répondre avec responsabilité yo, responsabilité que vous confiez, que la population a confié, et responsabilité seulement sur les côtés GSRVA, hein? Bien, avec la vie population, hein? C'est assez, Abraham dit, c'est assez, faut gagner une réponse qui baille. Avec même 4000 souffrants, hein? Directeur Normil Rameau, pendant que l'ordre passé, structure pour mettre en place, nous même dans Caraïbes FM, n'a pas de solution. Yo. Il faut que solution visible, guerrier Dieu seul, pour nous partager à la population. Yo. Parce qu'on y a tout le monde veut abandonner le travail. Yo. Tout le monde peut, tout le monde panique, tout le monde est en bas cabane, tout le monde peut sortir, tout le monde dans la rue, où elle a marché, où est-ce qu'elle est dans la rue, nommé, on l'autre côté. Ça veut dire que nous, ça veut dire que ce kidnapping psychologique, là, les plus enragés. Que l'aile rive sous vous, c'est comme les animaux malades de la peste. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Donc nous avons un plan permanent et ce n'est pas sous pression opinion publique là. Donc ouais, la police a fait de intervention. Hein? Parce que avant, tu as un effort que tu as fait et puis après un petit temps, relâchement. Mm-hmm. Patrouille dans une zone sensible où il est tiré, donc on passe sensible présence de la police. Mm-hmm. Donc il y a remonté en sécurité, il y a parlé de ça, on a kidnappé, la presse a traité dossier, donc la police quand même a levé pied, mais on a souhaité que c'est pas une décision qui peut le prendre pour petite période ça. Mm-hmm. Donc on a rentré dans décembre, on a besoin jusqu'à décembre et après décembre, mm-hmm. mais son bail définitif pour lier. Parce en permanence, c'est pas dans une décision pain la police font pareil, mm-hmm. parce que mon problème, et puis après, on va sentir la oui, police. Là, donc si c'est moyen, monsieur Baguen, que on a des moyens. Donc autant que le directeur général a fait responsable commissaire, il y a exigence pour mettre de nouvelles stratégies en application, mais faut. Ben moi, tout ouais, parce que au niveau de commissariat, mm-hmm. on entendait que les policiers ont plein, même gaz n'ont pas gagné, ou bien de commissariat, les policiers n'ont pas même gagné moyen, même mm-hmm. pour si on rapporte. Yeah. J'en dis dans le langage militaire, c'est un homme, une mission et des moyens. Mm-hmm. Donc sans moyens, donc il n'est pas capable de faire rien. D'accord. Et même pas Adokem d'Abdoula. Même pas dit goutte là mon passé. Et si tu bon l'autre monde qui t'a pas dit monsieur ça. Non mais pas des policiers nous yon t'a prendre l'autre qu'on y a quand on t'a fait. Et puis yo quitter émotion yo. Yo ne pas veulent conseiller pour l'autre. Et puis yo pas veulent chercher voie d'entente là et dans ta fou ça ami yo dia ka foutre terre. Ouais, t'as fini de dire là, ti mo ça me dit là, on risque de valiser. Ti ça ou me dit là. Ti entendre bon entendre noir. Et ti mo, même on y pourrait aller à 103 ans. Et moi le quitter. Il dit ça entendre pour entendre et c'est plus gros regret là. Il pourrait aller quitter nous en lambeau. De vous donner de entendre, de vous dire chita non. Quand ça gagne là pour n'a goumer là. Mais pour n'a goumer au pays d'Haïti là monsieur. Maman de sou pas que j'aime passer devant Sainte Bernadette là plus tomber. M'a demandé si ou pas j'en fais route devant Médecins sans frontières là. Seul ça nous gagne. Après tout temps ça nous indépendant, libre. Soit la pluie tombe là, m'a dit mon passé matin. Ah, pourquoi il dit ça là? N'a pas goûté là ou n'a pas déchiré l'autre. Eh bien, mais ça, Isaïe fait. Isaïe va les revolver, les bim sur l'autre là. L'autre là, même tout est tout correct, les bim. Et puis, tout est tombé dans l'altercation, tout est mort. Isaïe, lui-même, Jean-Noël, lui sorti dans la 21e promotion. C'est sous boulevard la Saline, ça passe dans le centre-ville. L'autre victime n'a pas de pièce d'identité solide. D'après information, il a également fait partie de la police nationale. Une information que nous avons gagné pour nous confirmer avec le responsable, puisque vous dites qu'il y a des détails qu'il a cherché avant d'intervenir dans le journal. Dans ce cas, avant le journal a fini, et porte-parole, dans le détail, vous cherchez pour partager avec nous. Zam yo jwenn bon côté l'autre cadavre là, c'est zam la police nationale. Donc, yon tire sous l'autre, tout de mourir, d'après sa témoignage, l'autre monde qui t'a passé, ouais, et policier qui tout prêt dans le commissariat, ouais, nèg yo ben dans sang yo. Donc, en pile policier t'est dépêché sur les lieux pour te venir sécuriser sem crime. On va parler de sécurité sem crime en Haïti, oui. Et pour capable permettre juge de paix section Nord, là, Brunet Jean-Noël, pour être capable de dresser constat légal. Donc là, je suis sorti dans la Saline, dans le boulevard Jean-Jacques de Saline Guerrier, et puis, sous route pleine, dans l'obéi.
La plaine même, non, ben, ça qui passe. Des clients sur G-Bank, l'attend, c'est sous commune quoi des bouquets. Yo même, yo fin sot nan banque là, sorti ap sorti, nèg examen nan men, y braqué yo. Ça passé hier, eh bien, à quelques petites distances de ce qui sale là. Mais, étant donné que banque là lui-même qui fait autorité et agent de sécurité dans la banque, yo font très bonne action hier, on BA, c'est à féliciter. Yo pas qu'à quitter client yo qui fait sot la caillou, à la victime en bas babio comme ça. Donc, yo même, Ils font un geste. Mm-hmm. Parce que, en fait, premier élément d'information de gain, c'est que c'est son combat qui porte l'argent pour banque. C'est eux qui ont pris l'essayer et prendre. Non, mais notre banque là met ton note d'ailleurs. Oui, notre. Et c'est dans notre banque là m'a plongé. Oui, non, parce que dans notre plan lui-même, c'est. Banque là va pas de détails. Non, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. D'ailleurs, bon ami qui dit moi, c'est presque c'est deux Zoricains avec nègres sur presque environ 13 motos. 13 motos d'abord faire quoi là il va tomber pas et puis il comprend donc agent sécurité balkan qui a réagi et puis comme fou ça yo blende tout donc on va pas passer et moun ça yo même qui t'a cherché service c'est yo qui victime. Ah OK, donc bah elle a mélangé. Oui, mais tu gagne deux clients vrai que sur la banque là. OK, d'accord. Donc très bien, donc c'était panique totale hier mardi 13 octobre là dans l'attente comme une quoi des bouquets tout le monde qui connaît après coup fin qui était type 1 et braquage là. En fait, c'est des individus amis jouk nan dan qui étaient ciblés d'après notre sujet banque là, qui étaient ciblés clients sur G-Bank yo, des clients yo, ils sont victimes, mais quand bien même, ils ont la vie sauve, d'après ça, nous apprendre de bonnes sources, et banque là lui-même, il dit que, et à 24 heures après, c'est nan, société des banques sur G-Bank qui a publié notre ça, notre de précision ça, côté yo vle, dans le sens ça, pour rassurer clientèle yo, que sur G-Bank lui-même, il fait tout ça qui est possible pour être capable de permettre que nous la vie sauve et puis toute activité à continuer correctement. Donc, par contre, ce que tu as avec quoi D'accord. Phénomène d'insécurité, nous constatons les cas d'enlèvement continuent à augmenter dans quatre coins du pays. Organisation droit mounio qui était fait silence jusqu'à dernier moment là, semblait sauter tête pour prendre position. Tant que réseau national qui défend droit mounio RNDDH, il n'est pas caché, qui est cassé face à situation ça, situation qui continue la guerre population en plus qui est cassé chaque jour, puis plus Pierre Espérance, l'on j'ai dit déjà sous autorité dans l'État. L'idée qui était de bras croisés face à ce phénomène, ça responsable organisation droit monde en profiter pour déplorer 9 massacres l'idée qui fait dans quartier populaire dans l'espace 4 l'année mandat Jovenel Moïse Lan qui s'en punit jusqu'à présent directeur exécutif RNDDH là dit étonné ouais autorité dans l'état pas suspendre renforcer et puis protéger bandit exam dans pays en côté directeur exécutif RNDDH là Pierre Espérance qui était parlé concernant Nico dit Alexandre. Bon, phénomène insécurité a préoccupé nous en pile et dans RNDDH pour que nous avons mouru en pays. La vie est banalisée, côté que population, ton masque qui a passé en bas, main bandit sans foi ni loi, qui a terrorisé le monde, kidnappé le monde, qui a tué le monde et bandit et arrogant, yo. Et il y a des conférences de presse, il y a parlé, il y a le même langage avec autorité, yo, et c'est eux-mêmes qui ont parlé pour la force publique, pour question de sécurité, etc. Et tout le monde a eu, c'est une situation qui est liée avec le comportement autorité, politique autorité, et par rapport avec sécurité dans le pays, par rapport avec la force publique. C'est la police nationale, la seule force publique qui nous gagne. Pendant nous avons plus passé 3 ans là, pas d'investissement pour la police, a pas d'équipement, pas de moyens. Et puis nous avons une inspection générale là, qui est là, qui n'est pas proactif et qui n'est pas fait un lien pour policiers qui ont une relation et avec bandits et qui a terrorisé les populations. Haïti va faire des armes, il va faire munitions, mais tout le monde constate que les bandits ils ont plus bien équipé par la force publique et journée aujourd'hui ou pas gagné un exécutif ou bien un gouvernement qui a supporté la police, qui montre que
et y a une volonté pour combattre et sécurité. Au contraire, et ces bandits qui ont terrorisé la population, hein, et ça vient de faire, et la police là, et qui c'est celle force publique, les policiers, ils ont une insécurité tout, parce qu'ils vivent dans le quartier défavorisé, ils vivent dans la population, hein, et ils sont victimes même genre avec la population. Hein, et c'est pour la première fois nous constater nos pays côté que bandits, ils ont renforcé eux. Et il y a une connivence avec l'autorité.